Hello, coucou tout le monde, c'est Yota et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de notre série sur Tomb Raider Legend. On s'était quitté au Japon, j'étais mort deux fois d'affilée comme une grosse bouse, voilà. Et puis qu'est-ce qui s'était passé? On devait aller voir un certain Yamamoto, un truc comme ça, pour qu'il nous passe une relique. C'est parti en live. Et donc du coup on le poursuit pour aller récupérer cette relique. Donc on va reprendre tout de suite là où on s'était arrêté. Voilà, c'était par là. Allez. Hop là. Allez. Ne regarde pas en bas, s'il te plaît. Je n'ai pas le vertige, Alistair. Moi, ça me donne envie de vomir. Je l'ai déjà dit en Bolivie. Je fais ce que je peux pour lever la tête, mais j'aimerais bien pouvoir me concentrer si ça ne vous dérange pas. Allez, on monte. Dépêche toujours. Ça va maintenir. Vite, Lara, ça peut céder à tout instant. Vite. Ah, effectivement, ça lâche. Mais bon, on est arrivé en haut. C'est parti. Je sens qu'il va y avoir une petite séance de tir. Piège? Oui, sois prudente. Qu'est-ce que c'est? Oui, dans ce contexte, c'est... Ah hey, attends! Tu vois la tourelle dans le couloir? Oui. Tu crois que c'est un piège? Oui, sois prudente. D'accord. Ouais, des armes. Ok, encore, ok. Ouais. Ok. Mais non, il m'a pas vu. Mais si, j'y vais en mode. Hey, attends. Tu vois la tourelle dans le couloir? Ah, d'accord, ça passe pas. Bon, allez, on va la faire sérieux. Hey, attends. Tu vois la tourelle dans le couloir? Oui. Tu crois que c'est un piège? Oui. Sois prudente. Ouais, moi aussi, je crois bien que c'est un piège. Là. Ouais. Mais saute!
crois que c'est un piège? Ouais, sois prudente. Oh, je vais pas passer 10 minutes sur ce passage quand même. D'accord. Punaise. Hey, attends. Tu vois la tourelle dans le couloir? Oui. Tu crois que c'est un piège? Oui, bien vu Lara, ouais. Allez, c'est bon. Bravo l'aveugle. Qu'est-ce que c'est? Oui, dans ce contexte, c'est plus du domaine de l'art moderne que de l'archéologie. Mais tu m'as pas vu. Ça y est, t'es gravement touché? J'ai connu mieux. On va éviter de recommencer. Vous n'auriez pas dû venir. Ici, c'est mon domaine. Pas l'un de vos tombeaux moisis. Parlez-moi de l'épée, Takamoto. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous fascine tant, Miss Croft? Laissez-moi la voir et vous saurez. Votre entêtement vous coûtera la vie. Bon, Takamoto est fié. Qu'est-ce qu'on fait? On le rattrape. Quelle puissance! J'adore ton approche très directe. Ouais. Que va-t-il se passer? Vous m'avez manqué de respect. Vous avez fait irruption chez moi. Vous avez tué mes hommes. Simple compression de personnel. Maintenant, si vous permettez, je vais vous débarrasser d'un objet. Vous parlez de celui-ci? Miss Croft, c'est le joyau de ma collection. Et pourquoi ça l'est? J'ai un faible pour les objets trouvés sur les cadavres anglais. Dans ce cas, c'était l'un de vos croisés. Certains prétendent même qu'il s'agirait d'un chevalier du roi Arthur. J'ignore comment cet imbécile l'avait eu, car il est manifestement antérieur au XIe siècle, quand vous viviez dans des huttes de terre. Et c'est pour ça que vous seriez prêt à sacrifier votre vie pour lui? Non. Mais pour ça! Vous avez la langue moins bien pendue, hein? Vous avez la langue moins bien pendue, hein? Vos mouvements trahissent votre confusion. Votre curiosité est satisfaite? Alors il est temps pour vous de mourir! Vous allez comprendre à quel point vous êtes stupide. Vous avez la langue moins bien pendue, hein? Vos mouvements trahissent votre confusion. Vous n'aurez pas autant de chance, c'est moi. Vos mouvements trahissent votre confusion. Vos mouvements trahissent votre confusion. Vous n'aurez pas autant de chance, c'est moi. Vous avez été stupide de venir ici. Vos mouvements trahissent votre confusion. Votre curiosité est satisfaite? Alors il est temps pour vous de mourir. Vous avez la langue moins bien pendue, hein? Vous avez été stupide de venir ici. Vous n'aurez pas autant de chance cette fois. Vous allez comprendre à quel point vous êtes stupide. Vous avez la langue moins bien pendue, hein? Je vais le faire. Curiosité est satisfaite? Alors il est temps pour vous de mourir!
tuer tranquille. T'es mort. Je brûlerai en enfer. Ouh. Casser le bâton. Oui, c'est bien le même. Tu as vu ce qu'il peut faire? Oui, Alistar, j'ai vu. Hello. Excellent. Dis-lui qu'il vient de marquer quelqu'un. Bon, on a tué un bon petit méchant, c'était bien sympathique. Merci, Nishimura-san. Je suis vraiment ravie de vous voir. Oh, mais moi aussi, ma chère. Et Takamoto, où est-il? Tout dépend si sa vie fut bonne ou mauvaise. J'ai du nouveau sur Team Scotland. En fait, ça te dit le canard? Absolument. L'Afrique est un de mes continents préférés. Ah, donc on a fini le chapitre 3, je pense. Ouais, 3. C'est... Ouais, on a fini le chapitre 3. Et ben écoutez, on va commencer de suite le chapitre 4. Apparemment, on va aller au Ghana. Ouais, le Ghana. Et c'est parti. On va voir le fameux Rutland. Tu as découvert ce qu'il fait là? Non, mais j'ai du nouveau. En voyant la carte, Winston m'a dit que tes parents étaient venus ici. Apparemment, ton père a fouillé ce site avant ta naissance. Oh, ça, j'ai l'habitude. Il est allé un peu partout. En tout cas, c'est joli. Si ça tourne mal, je me recycle dans les cartes postales. Waouh. Non, mais regardez ce petit ermite qui habite tout. On n'aime pas ces bêtes. Ils n'ont pas l'air d'être passés par ici. À ton avis? On verra. Plonger d'une falaise m'aide à réfléchir. L'eau est absolument délicieuse. Le Ghana m'a manqué. Attendez, hein, moi je veux le trésor, hein. Que je peux pas la voir, quoi. Ça va être un sous-marin. Allez, lève-toi. Non, c'est pas grave. Il y a un truc qui bloque. Les entrées grandioses sont rarement pratiques. C'est ce qui fait leur charme. Lara,
Vous n'abandonnez donc jamais. Tiens, tiens. Voilà Rutland. Et si vous descendiez bavarder un peu? Ça dépend de la portée de votre arme. Vous savez bien que les relations à distance finissent toujours de façon tragique. Je vous souhaiterais bien bonne chance. Mais bon. Alistair devrait jeter un coup d'œil à ça. Il essaie toujours de découvrir d'où viennent exactement ces morceaux d'épée. Nous sommes seuls pour l'instant. Côté, ça passe. Je peux l'atteindre. Ah. C'est du moderne. Les hommes de Rutland ont dû l'utiliser pour se déplacer. J'ai déjà vu ça. Dans le carnet de mon père. Il est venu ici. Chut, c'était pas Rutland. Il doit toujours être dans le coin. Pour l'instant, non. Quelque chose doit bloquer le mécanisme. Oh, le beau joli corps. Ah non, hein. On ne me tire pas dessus. Gentil, moi. On dirait que cette roue à eau est bloquée. Je crois même qu'on sait pourquoi. Cette colonne a l'air très lourde. Il y a plusieurs manières de faire tourner une roue. On met un coup de pied dedans, ça passe.
Vous savez quoi, les gens? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On trouvera la solution dans le prochain épisode. Je vais vous laisser là. Voilà. Donc, je vous dis au revoir. Bisous, les gens. Ciao, ciao.